Salut ma belle et merveilleuse grande princesse Lei. J'espère que ta nuit a bien été et que tu te réveilles avec une joie débordante en cette excellente journée ensoleillée qui marquera la fin de tes études universitaires de premier cycle. Tu as travaillé très fort. Tu t'es surpassée pendant de longues années. Te voilà maintenant prête, ma chérie, à recevoir ton diplôme bien mérité. J'aimerais vraiment que tu prennes le temps de savourer le succulent fruit de ton dévouement, de ton assiduité, ta détermination, ta force, ta persévérance à nul autre pareil, malgré les embûches, les défis et les épreuves que la vie t'avait imposées. J'aurais tellement aimé pouvoir changer les choses. Les choses auraient pu être différentes. Mais la nature, la vie en a décidé autrement. J'aurais pu être là à ton réveil pour te serrer très fort dans mes bras, prier avec toi et te féliciter. Te souhaiter une heureuse journée de graduation. J'aurais pu t'accompagner préalablement pour choisir ta belle robe, aller chez une coiffeuse pour ton beau chignon, et voir à ce qu'une maquilleuse mette en valeur cette beauté divine que tu y es tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Aussi bizarre que cela puisse te paraître, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse. Le temps passe vite, hein? Le temps passe vite, ma chérie. Il n'y a pas trop longtemps, tu étais une petite fille. Oui, on avait nos luttes quotidiennes et certaines corrections qui s'imposaient. Mais on avait aussi nos périodes de réjouissance, quoique minimes, comme tout enfant et parents normaux. J'aurais pu en profiter aussi pour me rappeler la joie que nous avions lors de ta graduation au secondaire, mais aussi et surtout la joie, oui, l'énorme grâce divine, la joie débordante que nous avons eue, que moi j'ai eue d'avoir pu être porteuse de vie de cette merveilleuse créature que tu es et que tu as toujours été. Tu sais quoi, Lei? Dieu a toujours un plan pour tous ses enfants, toi incluse. Je ne m'inquiète donc pas pour toi. Tu as une famille attentionnée. Tu es entre de bonnes mains, ma fille chérie. J'aimerais que tu saches que ton père, ta sœur, tes tantes et oncles, tes cousines, tes cousins, les amis de ta petite maman et moi, nous t'aimons de tout notre cœur. Toutes ces personnes et tant d'autres que tu ignores encore font tout ce qui est en leur pouvoir pour te protéger, t'encadrer, t'accompagner, t'outiller, te conseiller, te guider, selon les ordonnances divines, afin que tu puisses réaliser tes projets extraordinaires. Oui, les projets que Dieu a prévus pour toi. Et du coup, profiter de ton merveilleux avenir. Oui, ton merveilleux avenir, ma chérie. Afin de vivre pleinement ta destinée. Lei, ma chérie, rappelle-toi que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu es née pour accomplir de grandes choses et impacter ton entourage, ainsi que la société dans laquelle tu vis. Pour cela, je me permets de te dire de toujours garder tes yeux fixés sur Jésus. Ton avenir en dépend, Lei. N'oublie surtout pas que quoi qu'il arrive, tu puis tout. Oui, quoi qu'il arrive, tu pourras tout réaliser par celui qui te fortifie. Car il t'aime d'une manière extravagante et incommensurable. Heureuse journée et bonne célébration de graduation, ma belle et merveilleuse grande princesse. Luce Alia Yamile, Corville. De ta merveilleuse famille et moi. Bisous, bisous.